Hello, hello les gourmands! Aujourd'hui, on part à la découverte du restaurant Le Mood qui est situé sur le port de Saint-Laurent-du-Var. C'est une véritable histoire de famille et d'amitié. Nous avons été accueillis par Patrice et son équipe et avons pu découvrir leur fabuleuse cuisine bistronomique à base de produits frais et locaux. Plusieurs entrées et plats signés le grand chef Fabio Mera. Un régal du début à la fin. On vous en dit pas plus et on vous laisse découvrir tout ceci dans le reportage. Aujourd'hui, on est au port de Saint-Laurent-du-Var. On va aller déjeuner au restaurant Le Mood, qui est tenu par Patrice et Jean-Christophe. Il y a énormément de restaurants, de bars, de boîtes de nuit. On a déjà filmé 3-4 restaurants ici, dont le Bistroquet, la Voile Rouge, le Virus. Et là, on va découvrir Le Mood, qui est un bel établissement avec une très belle décoration. Ça va être bien. Ça va être très très bien. Ça va très bien. Bonjour, Grégory, enchanté, vous êtes Patrice. C'est ça. 3 ans, c'est bon, alors c'est une passion. L'aventure humaine a démarré avec mon associé, un de mes associés, Jean-Christophe Pagny. Spécialité bistronomique, voilà, c'est une histoire de famille, comme je vous disais, avec Jean-Christophe. C'est des plats qui appartiennent à Fabio Mera et donc au Mood. On est dans un concept où on change tout le temps. Alors, comme tu peux le voir, il y a des fauteuils vraiment magnifiques en semi-velours et des belles nappes blanches. Et n'oublie pas une chose, Jean-Baptiste, c'est que j'adore les restaurants. Il y a des nappes blanches. Bon, maison Joseph Brun, Chablis, normalement c'est... Très bien, parfait, merci. Santé à vous, monsieur. Parfait, merci. Santé, Jean-Baptiste. Santé, au Mood, à Saint-Lô. Alors tu vois, je trouve que sur le port de Saint-Lô, il y a quand même encore un petit air d'été. Donc en entrant, on a différentes choses. Ça va entre, c'est entre 15 et 20 euros. Donc t'as l'œuf mollet, purée de petits pois, carpaccio de poulpe. Et en plat, on a le fameux cochon de lait, plat emblématique du Mood. Tartare de bœuf, saumon miso, spaghetti au pesto. Donc tu vois, on est vraiment sur une cuisine bistronomique. Oui. Et les plats vont, on va dire, entre 20 et 35 euros. Vous vous demandez comment obtenir le même niveau d'hygiène alimentaire dans votre établissement ? C'est très facile, contactez RH Reflex. Les formateurs se déplacent directement dans votre établissement pour vous former et c'est 100% pris en charge. Plus de détails à la fin de cette vidéo ainsi que dans le lien de la description. Ça, c'est de l'espadon. Espadon. Ça, c'est des rouleaux d'espadon à la sicilienne. C'est parti. Donc on a, c'est les rolls. Alors le carpaccio de poulpe enroulé dans des légumes craquants marinés, gingembre et soja sur une compotée d'oignons rouges. Ah, ça fait, c'est très asiatique. Et là on a un petit velouté de petits pois avec un œuf poché, des girolles. Alors j'ai vu les girolles, j'ai vu l'œuf, j'ai vu les petits pois, mais je n'ai pas encore vu le chorizo. Attention, mystère des boules de gomme, où est le chorizo? Aïe, aïe, aïe. Ah oui. T'es vraiment très beau avec Marine Monroe derrière toi. C'est vrai? Ouais. On peut l'appeler bistronomie, c'est vrai que c'est plus qu'un bistrot, c'est très travaillé, c'est très très beau. Bravo. Hein. Vu la chemise. Ah, la chemise exact... avec l'assiette. Ah oui, oui, oui. Ah, oui. Je l'ai fait exprès d'ailleurs. C'est génial. Vraiment avec l'assiette. Donc c'est façon un peu roll. Il va falloir que tu m'en donnes. Hein. Dessus, tu as des petits œufs de limpe. Là, tu vois, je trouve que... Oui. On s'y habitue à ce plat. Comme c'est... Ah oui, génial. Je trouve que c'est... Ah oui, c'est très bon. Bah oui. Parce que t'as faim quand même. À force de faire tes 30 km par jour. Oui, j'ai la dalle. Donc alors, Jean-Baptiste, tu tenais absolument à goûter mon entrée. Non, mais c'est le poulpe coupé en fines tranches qui enrobe les légumes, si j'ai bien compris. Exactement. C'est le cochon de lait. Cochon de lait, d'accord. Donc qu'est-ce que c'est en dessous, sous le... Madame Macaroni ou quoi, non ? D'accord. Ah oui, c'est un plat bien gourmand, bien gras. Ah oui. Le poisson pour monsieur, le grand bon. Les légumes du pays, le cochon de lait. Et le cochon de lait en porchetta sur un lit de macaroni. Ah ouais. Filet de dorade avec ses petits légumes. Donc c'est le plat du jour, hein. C'est pas du tout à la carte. Wow. Le pot est légèrement rôti, oui. Ça donne du goût. Ça, ah oui, oui. Poisson. Avec d'accord, justement bien, une petite compotée de petits pois.
C'est bien, c'est parfait. Justement, tu sais ce que le chef me dit par rapport à ce plat ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? C'est que les gens persistent. Les gens le prennent même l'été. Oh, c'est vraiment... Oui, mon grand. C'est un plat de bûcheron, là. Hein. Ouais. Regarde-moi ça, alors. Là, t'as une ganache. C'est complètement dingue. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Regarde-moi ça. Là, ça se découpe tout seul, déjà. Alors, attends, regarde-moi le Non, mais là, j'ai essayé de comprendre le mécanisme. Ah ouais. D'accord. Et donc, ça, tu as la pâte incrustée, justement, de foie gras. Et là, tu prends tout en un. Magnifique. C'est ultra gourmand, mais c'est très bien cuit. Je vais avoir tarte de framboise avec coulis de framboise dans chaque framboise. Tarte exotique avec crème vanille et morceaux de mangue fraîche. Un éclair au chocolat et accompagné d'une petite boule de glace vanille, je vais avoir tourte de blettes, entre mes fraises au citron vert, entre mes pistaches crème pralinée et entre mes copeaux. Ah, et bien tourte aux blettes, monseigneur. Elle est belle, elle est fine. Elle est très très bonne. J'ai pris la tarte aux framboises, c'est l'un de mes desserts préférés, mais pour cause, parce que celle-ci est très originale. Regarde d'un peu plus près, dans les framboises, dans chaque framboise, tu as du coulis. Chose que tu n'as pas normalement sur les tartes aux framboises. C'est vraiment. Ça donne un côté coulant à la framboise. Notre passion pour la nourriture va au-delà du goût et de la présentation. Nous attachons une très grande importance à l'endroit où nous mangeons et à la qualité des produits que nous consommons. C'est pourquoi nous avons choisi de collaborer avec RH Reflex. C'est un centre de formation spécialisé dans l'hygiène et la sécurité alimentaire qui est basé à Nice depuis plus de 10 ans. La formation en hygiène et sécurité alimentaire HACCP vise à améliorer les compétences de votre personnel en matière de bonnes pratiques d'hygiène alimentaire, de prévention des risques de contamination et de mise en œuvre du plan de maîtrise sanitaire. Les formateurs de RH Reflex se déplacent chez vous afin d'assurer une formation personnalisée et adaptée à votre activité. Ils offrent un suivi en continu après la formation. Grâce à leur accompagnement, vous pouvez être certain que votre établissement est conforme à la réglementation en vigueur et qu'il est prêt à faire face à tout contrôle sanitaire. De plus, la formation proposée par RH Reflex est entièrement prise en charge par votre OPCO AKTO. Cela signifie que votre entreprise peut bénéficier d'une formation de qualité sans supporter les coûts associés. En résumé, grâce à notre partenariat avec RH Reflex, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients une expérience culinaire exceptionnelle dans des établissements qui répondent aux normes d'hygiène les plus strictes. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.rhreflex.com ou contacter au 04 92 01 08 03. Nous vous laissons également un lien dans la description ci-dessous.